Elle ne passe pas inaperçue, la jolie de Deutsch de Michel. Construite en bois, la Citroën en jette, drôlement. Ébéniste à la retraite, ce maker a passé 5 ans à la construire. 5000 heures de boulot et depuis 2 ans, 50 km au compteur. Parce que oui, elle roule. Je voudrais faire une voiture exceptionnelle, une voiture qui représente la France, la deux chevaux, que tout le monde a connue, les anciens ont connu la deux chevaux. La période 60-70, les vacances, on sortait les sièges, on campait. Et aujourd'hui, même les jeunes roulent en deux chevaux. Du passé au futur, des robots entièrement imprimés en 3D qui vous parlent et répondent aux ordres, aux doigts et à l'œil. Close your left hand. Closing my left hand. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore prêt pour avoir des robots humanoïdes qui vont vous servir à table ou qui vont faire aider les personnes âgées ou autres. L'idée, c'est de proposer à des étudiants aujourd'hui de construire des robots et de voir tous les problèmes qu'il peut y avoir en construisant un robot. Et c'est eux qui vont construire les robots de demain qui nous permettront d'aider les personnes âgées ou autres. Peu importe la matière première, l'essentiel pour ces inventeurs fous, c'est de créer, récupérer et surtout de partager. Sur ce stand, de folles machines fabriquées de fil en aiguille avec de vieilles singères. Dans la machine à coudre, il y avait un patrimoine que tout le monde retrouve. C'est-à-dire que tout le monde en a une dans sa famille. Il y en a qui sont magnifiques. On en les voit aujourd'hui, elles sont de 1930. On a l'impression qu'elles sont neuves. Il y en a énormément. Ça a été construit à des millions d'exemplaires. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît. Et par contre, ce que personne ne connaît, c'est qu'en fait, il peut y avoir une deuxième vie derrière. Une deuxième vie, ces flippers en ont une. Et pour tilter, il n'y a pas d'âge.